1990, l'artiste Jean-Paul Ganem travaille dans les locaux de l'usine éphémère de Méru. Il peint le paysage environnant, capturé par des symboles de communication et de consommation moderne. Il cherche ainsi à représenter la conquête du paysage agricole par l'homme. En 1993, 8 compositions agricoles sont semées autour de Méru, dans l'Oise. Avec la complicité des agriculteurs, Jean-Paul Ganem compose des formes avec différentes cultures. Le tracteur devient son pinceau, qui enfouit la couleur sous la terre. Le champ est un immense tableau. Du semis à la récolte, les compositions agricoles évoluent en respectant les contraintes techniques de l'exploitation. Assolement, choix des semences, taille des machines, finalité du champ. Jean-Paul Ganem crée ainsi une surprise dans le paysage qui n'est pas en rupture avec le processus agricole.